Farida, tu as une petite astuce comme chaque jour anti-gaspiller. Aujourd'hui, avec des épluchures de pommes de terre. Alors, tout à l'heure, on a épluché les pommes de terre. Oui, mais tu les as lavées, tu m'as dit. Bravo, oui. Maya, tu as bien retenu la leçon. On les a lavées. Moi, je vous propose de réaliser des chips. Il hein. faut des bio. Hein. Des bio, tant qu'à faire. Ah, oui. Ah, oui, de préférence, hein, des bio. On les nettoie et on va préparer des chips de pommes de terre. Ah, oui. Épluchures de pommes de terre, précisément. Alors, c'est très simple. Vous récupérez vos épluchures de pommes de terre. Hop là, et ensuite il faut les assaisonner. Alors pour les assaisonner, moi je les glisse dans un sac plastique, hop hop hop, un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de poivre. Alors vous pouvez ajouter également un peu d'origan si vous le souhaitez. Ah oui. Un petit peu de sel. Et puis hop là, des herbes, vous pouvez ajouter des épices, du curry, ce que vous voulez. Hop là, donc là, ils sont bien enrobés avec l'huile d'olive et les aromates. On va les glisser dans un plat, direction le four. Alors il faut bien les étaler, il faut que ce soit sur une seule couche. Direction le four à 180 degrés et vous obtenez de délicieuses chips qu'on va déguster tout de suite. Pas mal. Ah ouais. Très bien, c'est pas mal. Vous pouvez retrouver toutes ces astuces anti-gaspi sur le Facebook de La Quotidienne.